Bonjour, je m'appelle Christian Poumeni. Je suis né dans le département du Onkam, à Bafan. À l'âge de 3 ans, je suis quitté de chez mes parents biologiques pour aller habiter avec mes grands-parents. Il y avait ma grand-mère, Wélagie Julienne. À l'âge de 10 ans, je suis quitté là-bas et je suis allé habiter dans d'autres villes du Cameroun. Et puis, à l'âge de 20 ans, quand je faisais le supérieur, elle a eu un accident vasculaire cérébral. Elle ne pouvait plus se mouvoir du côté droit de son corps. Et puis elle est venue à Douala, on restait dans la même maison. Je prenais soin d'elle chaque matin et je lui faisais coucher au lit pendant la soirée. Et puis un jour, il y a eu une chicane à l'extérieur et quand je suis revenu, elle était en larmes. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, je pleure parce que si quelque chose t'arrive ici à Douala, moi aussi je vais rentrer au village parce qu'il n'y aura personne pour s'occuper de moi. Ce jour, j'ai beaucoup ri, mais j'ai réalisé que ma grand-mère m'aimait beaucoup. Et quelques mois après, elle est morte dans mes bras à 1h57, le 7 juin 2014. Et c'est son foulard que je porte là qu'elle m'a légué. Je ne l'ai jamais lavé et je le porte rarement. J'aimais beaucoup ma grand-mère. Avec ce foulard, je l'aime encore plus. Merci.